Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un big haul action. Donc je voulais vous montrer tous les achats que j'ai fait. Par contre je ferai ça en deux parties je pense, parce que j'ai quand même 4 gros sachets. Ce mois là on a fait vraiment tous les achats pour Noël en fait. Donc je voulais faire des petits cadeaux cette année à mes soeurs et à mon neveu, vu qu'ils viennent manger avec nous pour Noël. Donc du coup je me suis dit ça sera l'occasion. Action, c'est vraiment un magasin sympa où on trouve de tout. Donc je me suis dit bah, je vais leur acheter des petits cadeaux là-bas. Donc vous allez voir que j'ai fait énormément d'achats. On en a eu pour au moins plus de 100 €. Donc c'est vrai que ça chiffre vite comme ça, on dirait pas. Mais bon, quand on achète des petits prix, bah, à la caisse on se retrouve quand même avec une grosse facture. Donc, mais là vraiment je suis contente parce que ça sera beaucoup pour des petits cadeaux de Noël. Donc là c'était pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà. Par contre comme d'habitude je vous mettrai toujours les prix sur la vidéo. Comme ça, ce sera plus facile pour moi de retrouver ça. Et je voulais aussi m'excuser pour ma tête parce que je suis malade en fait. J'ai un problème à l'œil gauche. Du coup, comme je suis enrhumée, mon œil gauche il coule et il me brûle. Donc du coup, je me suis pas maquillée. J'ai juste mis un petit coup de mascara parce que ça sert à rien que je me maquille. Ça coule et tout. Donc voilà. Et je m'excuse un petit peu pour ma voix enrouée. Mais bon, je voulais vraiment vous montrer tout ça parce que je pourrais pas la faire lundi. Je vais pas... faut que je range tout ça. Donc j'ai préféré vous la faire maintenant. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Alors déjà pour commencer j'ai pris donc des pâtés cadeaux, donc j'en ai pris 5. Donc j'ai pris le premier, il est dans les tons argentés avec des points bleus, super joli. J'ai pris un autre dans les tons roses et il y a des espèces de fleurs argentées. J'ai pris encore un noir comme ça, donc argenté avec des feuilles noires. J'ai pris encore un comme ça argenté rouge. Je trouve qu'ils sont super beaux les papiers cadeaux. En plus ils coûtent pas cher du tout. Et j'ai repris encore un bleu avec des étoiles grises. Donc voilà. Alors ensuite j'ai pris une petite panière comme ça pour la douche en fait. Donc c'est pour accrocher, pour ça s'accroche par ventouse au fond de la, enfin sur le mur en fait. Comme ça vous pouvez ranger vos petits produits en fait. Donc ça c'était pas cher du tout non plus. C'est toujours pratique. Je sais pas par contre si ça va aller dans ma salle de bain. Mais voilà, je vais voir. Ensuite on a pris donc une petite voiture comme ça. Ça c'est toujours bien. Les petits jouets de chez Action, j'aime bien. Ça fait du bruit. C'est super. Et c'est pas cher du tout. Faire des petits cadeaux comme ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ça je pense que ça sera pour mon fils Kylian. Puis il adore les voitures lui, donc voilà. Ensuite j'ai pris donc un legging en fait en taille M. Ça c'est plus pour la maison je pense que je vais le mettre. Donc il se présente comme ça. Donc voilà, il est comme ça avec des motifs, il est noir et blanc en fait. Donc voilà, j'aime bien mettre ce genre de legging pour pyjama. Il est très long, il est super beau en plus. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé donc le parfum Vanderbilt, donc en vaporisateur 100 ml. Moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et franchement il sent super bon ce parfum, je l'adore. Donc voilà. C'est en grand format, donc je suis super contente. Il y avait aussi le Marussia ou quelque chose comme ça. Moi j'ai pris celui-là pour l'instant. Donc voilà, en format 100 ml. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé une eau de toilette, les mignons en fait, donc pour mes enfants en fait. Et mon homme, vu que des fois on fait pas les mêmes rayons, il en a aussi pris un. Donc du coup on en aura deux, un chacun, pour Kylian, un pour Noah. Donc une eau de toilette comme ça. Puis les petits ils aiment bien se parfumer comme ça. Et puis en plus quand c'est les mignons, voilà, ça fait tout de suite tout son effet pour les enfants quand ils veulent se parfumer et tout. Donc voilà. Ensuite j'ai pris donc... des gâteaux comme ça, donc c'est de chez Milka, des Choco Twix. Donc là les gâteaux c'est pareil, c'est trop bon, franchement on adore goûter des nouvelles choses. On devient fou dans ce magasin Action là, parce qu'ils font vraiment pas mal de choses quand même en gâteaux et tout. Donc voilà, ils se présentent comme ça. Ensuite on a pris donc encore des chips, on en a pris 4 comme ça en fait. Moi j'en ai pris 2, mon ami m'en a repris 2. Donc c'est des Twix Thermix Paprika. Ils sont super bons ces chips là. Donc voilà, quand même 4 paquets, hein, on en a pris. Donc là il y en a déjà 2. Je ne sais pas s'ils sont dans les autres sachets, les autres.
En plus, on a pris pour mon fils Noah. Donc ça, c'est un cadeau en plus pour Noël, parce qu'on leur a déjà pris la DS. Et là, du coup, ben, ça sera pour lui. Lui, il aime bien tout ce qui est pistolet, masque et tout. Donc c'était vraiment pas cher du tout. Et il est vraiment pas mal, ce petit truc, avec le masque de Space Warrior. Franchement, c'est un très très joli cadeau, et puis pas cher du tout. Donc voilà. Donc ensuite, on a trouvé des madeleines comme ça. Ceux-là aussi sont super bons, ces madeleines. Donc voilà, donc c'est des duo cakes. Elles sont super bonnes. Donc j'ai pris un petit coffret d'offres comme ça. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc vous avez la body lotion, vous avez le déo, vous avez la crème pour les mains. Et vous avez la douche, le gel douche en fait. Franchement pas mal du tout, ce petit coffret. Et vraiment pas cher du tout quoi. Franchement ça vaut vraiment le coup, les coffrets comme ça chez Action. Ensuite donc j'ai repris encore une eau de toilette de chez Essence. J'en ai pris deux je crois. Donc j'ai repris la orange parce qu'il y a la orange et la verte. Donc voilà celle-là. Ensuite là encore l'eau de toilette mignon. Ensuite mon homme s'est repris encore des chips. Alors lui il adore cela. Donc c'est des craquelés comme ça. Donc voilà, il s'en est repris 3 ou 4 paquets. Là j'en ai déjà 3. Je ne sais pas si je vais encore en voir dans les autres sachets. Donc voilà, il s'est repris ça. Ensuite j'ai repris donc du Toblerone au chocolat blanc. Il se fait trop trop bon ce chocolat. Franchement je l'adore. Donc celui-là, comme je vous l'avais montré dans mon dernier haul, c'est au chocolat blanc. Et franchement ils sont trop trop bons. Il est trop trop bon ce chocolat là. Et j'ai repris encore des comme ça. C'est des chocobriques. Et ça franchement c'est excellent. La vérité c'est super bon. Donc ça se présente comme ça. C'est en carré, il n'y en a que 2 ou 3 dedans je crois. Ouais, il y en a 3, c'est des gros carrés, des gros carrés comme ça. Et c'est trop trop bon. Donc je crois que j'en ai repris 2. Ensuite, comme là je suis enrhumée, j'ai pris des bonbons à l'eucalyptus. Donc comme ça. Parce que ça me fait du bien en fait, ça me débouche le nez et tout. C'est agréable pour la gorge et tout, parce que j'ai un peu mal à la gorge, j'ai du mal à dormir. Donc ça, ça me soulage un petit peu, les bonbons forts comme ça. Donc j'ai pris cela du coup. Et j'ai repris encore des comme ça en fait, à l'eucalyptus aussi. Des bonbons comme ça. Ils arrachent bien cela et franchement ça fait du bien à la gorge, donc voilà. Ensuite j'ai pris donc le mascara, un mascara Max & More, donc comme ça en noir. Donc c'est le mascara waterproof extra intense black. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ça, c'est une petite boîte pour ranger mes cigarettes parce que moi c'est vrai que je fais les tubes, donc des fois je sais pas où les mettre, et là j'ai pris une petite boîte sympa comme ça pour mettre les cigarettes dedans, avec des petites des petits bisous comme ça. Trop mignon en fait je trouve. Ensuite j'ai repris là mon homme il a pris un petit ciseau comme ça. Bon ça on en a toujours besoin, des petits ciseaux, des petites bricoles en fait. Et du coup j'ai repris encore des lingettes, j'en ai repris 4 des paquets. Cette fois-ci j'ai voulu prendre les pures Huggies pures. Donc comme je vous ai dit c'est pas très très cher les lingettes. Bon par contre elles sont beaucoup beaucoup imbibées de produits, donc c'est pas terrible. Mais moi comme je vous ai dit je n'utilise pas pour mon fils Swan, hein. Lui j'utilise le Liminant. Mais pour nettoyer les mains et tout, ou des choses comme ça pour mes deux plus grands, ben, celles-là elles font l'affaire, même si elles sont trop imbibées de produits. Mais en tout cas, voilà, comme elles sont pas chères, je les prends pour leur nettoyer les mains. Donc voilà, je crois que j'en ai pris plein des paquets. Du coup, je me suis trouvé des petites pantoufles comme ça. Je trouve pour l'hiver, c'est trop chou. Donc avec des petits pompons comme ça. Donc elles sont blanches, écrues comme ça, et avec des cœurs gris. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Moi, j'adore en fait, comme ça, au moins, on est bien à l'aise dedans. Et puis ça tient super chaud. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'ai pris deux petites boîtes comme ça pour. Parce qu'en fait, on avait acheté une DS pour mes enfants pour Noël. Et du coup, comme ça, je leur rangerai dedans parce qu'on a pris en occasion et tout.
Donc comme ça, je leur rangerai dans un petit sac comme ça, pour les protéger, pour que ça fasse plus joli en fait. Ensuite, donc là, j'ai encore, là, mon homme, il a repris encore des autres chips Cracky Ribble Chips. Donc ça, c'est à la bolognaise. C'est vert en fait. Là, j'ai encore un paprika, un Thermix paprika. Là, il en a encore pris un au paprika, donc le bleu en fait, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, pareil, je vous remontre encore de nouveau. J'ai repris un autre comme ça en fait. Ils sont trop bons ceux-là, j'adore. Ça passe super bien et tout, donc voilà. Ensuite, j'ai pris donc des piles. Ça, des piles, on en a toujours besoin, donc des piles Duracell. On a pris des moyennes et des petites, il me semble. Donc voilà, celle-là déjà. J'ai pris un lot de crayons comme ça. Vous en avez trois des crayons dedans et vous avez aussi le taille crayon dans un. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc toujours de la marque Max & More. Ensuite, j'ai voulu tester donc de la marque Max Factor, le 070 PC. Donc c'est un lip color. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ça. Et du coup, donc c'est des rouges à lèvres, je pense. Ah d'accord, vous avez le baume. Donc qui est là, le baume. Et vous avez le gloss ou le rouge à lèvres. Je ne sais pas si c'est un gloss ou un rouge à lèvres. Donc voilà, comme ça. Ah ouais, waouh, la couleur, elle est pas mal, hein. Elle marque bien en plus. Donc voilà. Ça, je voulais vraiment tester en fait pour voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris les petites piles Duracell cette fois-ci. Donc comme ça. Et là, j'ai pris un sac cadeau pour ma soeur. Pour ma soeur, ma grande soeur. Donc voilà. Pour lui emballer ses petits cadeaux dedans. Une protège tablette en fait, donc ça c'est pour mon fils Kylian, pour protéger sa tablette, donc voilà. Ensuite j'ai pris celle pour mon fils Noah, parce que lui il a une plus petite tablette, donc j'ai pris ça, c'est super sympa pour protéger les tablettes. Ensuite on a pris mon homme il a pris un basique, un t-shirt tout simple comme ça, noir. Donc c'est des basiques, hein, c'est col V en fait. Donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé des nougats. En fait, c'est aux cacahuètes et fruits. J'adore le nougat. Je sais pas, j'avais pas vu qu'il y avait des fruits dedans, mais ça peut être quand même pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris de nouveau la même robe que je vous avais présentée dans ma vidéo, dans mon dernier haul. Donc toujours en taille L. Et j'ai pris pour ma belle-mère en fait, parce qu'elle a beaucoup, je l'avais portée, elle a beaucoup aimé la robe, donc du coup je l'ai pris pour elle. Elle est vraiment super jolie, portée, elle est vraiment belle. Ensuite j'ai repris, donc j'ai pris donc, des petits gâteaux comme ça en fait, c'est cacao cake bar. Donc voilà, dedans vous avez, à l'intérieur c'est fourré, ça a l'air pas mal, on n'a jamais goûté cela encore. Ensuite, là, je vous parlais tout à l'heure donc encore de l'eau de toilette essence. Celle-là, c'est la verte. Ils sentent toutes les deux bons. Hein. Voilà. Ensuite, encore un paquet de chips paprika mix, là. Là, du coup, j'ai trouvé aussi le brûleur. Je l'avais vu dans la pub de chez Action. Donc, c'est un brûleur en cœur, en fait. Vous avez... 6 petites tartes avec aussi pour faire brûler. Et franchement il est super joli. Vous avez plusieurs senteurs. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est pas cher du tout. Il est trop joli le brûleur là. Franchement en rose comme ça. Il est vraiment très très mignon je trouve. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le brûleur il se présente comme ça. Derrière vous mettez donc la bougie. Et au dessus vous mettez les tartelettes. Franchement, ça fait super beau, je trouve. Donc voilà. Ensuite, donc, je me suis pris des petits écouteurs pour mon téléphone, en fait. Ça, c'est toujours pratique parce qu'en plus, ça se casse vite.
Ensuite, donc, j'ai trouvé des petites chaussettes pour mes fils, en fait. Il y avait, donc, dans un lot, il y en a trois. Les chaussettes, franchement, c'est juste une horreur. J'en perds toujours une ou... Donc, on est toujours obligé d'en racheter. Je pense que vous connaissez ça. Donc, voilà, j'ai racheté ça, du coup. Ensuite, mon homme, il a pris des petits stylos Cars. Voilà, comme ça. Ensuite, donc là, j'ai encore deux paquets de lingettes Huggies. Lingettes, franchement, ça vaut trop le coup. Hein. Ensuite, j'ai pris une petite palette comme ça de chez Max & More. Donc, enfin, une grande palette quand même. Il y a pas mal de choix de couleurs dedans. Elle est vraiment très, très, très jolie. Vous avez vraiment du brun, du bleu, du rose, du gris. Franchement, il y a pas mal de choix. Donc voilà, toujours de la marque Max & More. Ensuite, j'ai pris donc un petit, encore un autre mascara comme ça, de la marque Max & More. Toujours le waterproof noir. J'ai pris encore un petit concealer comme ça, j'en avais déjà acheté un et j'aime beaucoup. Franchement, ils sont super bien les petits concealers là. Donc voilà. Ensuite là, j'ai repris encore une autre toilette. Donc ça, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses pour offrir en fait. Donc voilà, celle-là, j'ai pris la verte. Ensuite, mon homme, il a pris donc des Mikado en fait. Par contre, il a pris au chocolat noir. Je crois pas qu'il a vu en fait. Donc ils sont comme ça, des Mikado comme ça. Il a pris trois paquets en fait. Le chocolat noir, je sais pas, ça va être terrible, mais bon. Ensuite, il a trouvé donc un gel douche Axe, le bleu, comme ça. Ensuite, il a pris aussi du chocolat Nesquik. Alors ceux-là, ils sont trop bons, les chocolats-là. Donc voilà, ça se présente comme ça. Waouh, ils sont trop trop bons, les chocolats-là. Ensuite, là, j'ai repris encore des petits crayons de la marque Max & More. Donc, crayon pour les yeux. Hein. Toujours avec au milieu celui avec le taille crayon. Et là, j'attaque le dernier sachet. Donc là, du coup, il a trouvé des gâteaux comme ça. C'est des cookies 8 chocolat cream. Donc, dedans, à l'intérieur, c'est fourré. Donc, ça se présente comme ça. Ça a l'air super bon aussi. Moi, j'ai pris un petit jouet pour Swan, toujours. J'aime bien les jouets musicaux parce qu'ils aiment bien tout appuyer. Donc vous voyez, il fait du bruit quand il appuie dessus. Ça fait un peu de la musique. C'est vraiment trop chou les jouets pour les bébés chez Action. Ça vaut le coup, en plus c'est pas cher du tout. Et puis ils aiment bien appuyer dessus, donc voilà. Ça, j'ai pris pour Swan. Ensuite, mon ami s'est encore repris des chips. Alors lui, il adore. Donc là, c'est au fromage. Donc comme ça. Des genres de... Des croquis, en fait, ça s'appelle. Donc, il s'est pris deux paquets. Comme ça. Ensuite, il a pris des mini Bounty Mars Milky Way Twix Snickers. Donc, comme ça, il y en a 20 des paquets dedans. Ça, c'est vraiment pas mal aussi, en mini, comme ça. Ensuite, donc il a repris aussi des petits scotch. Ça, c'est toujours bien aussi parce qu'on en a toujours besoin du scotch. Donc il en a pris deux paquets. Là, encore un à la bolognaise. Ensuite, il a trouvé des coffrets Axe. Donc là, c'est il y a le déodorant et le gel douche. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est très joli pour offrir aussi les petits coffrets comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petites pinettes choco. Ça fait penser aux M&M's. Voilà, c'est le même style que les M&M's. Donc je voulais goûter. J'avais vu aussi dans la pub de chez Action. Donc voilà, je goûterai. Ensuite, il a repris encore des sneakers. C'est un lot de 10 comme ça. Donc ça, ça vaut vraiment le coup aussi chez Action, les sneakers et tout. Donc moi ensuite j'ai pris donc un gel douche Bubble Bath.
Là, je sens pas parce qu'en fait, j'ai pas d'odeur dans le nez vu que je suis enrhumée. Mais c'est le gel douche Les Mignons. Voilà, je voulais vraiment essayer pour mes enfants en fait. Donc voilà. Ensuite, il a pris encore des gâteaux comme ça, Milka Cake Shock. Donc il se présente comme ça. Donc là ensuite il a pris encore un gel douche Axe, donc ça c'est le vert. C'est vraiment pas cher du tout, tout ce qui est produit pour le corps et tout. Donc voilà. Et pour finir, oui j'ai fini là. Donc pour finir encore un petit paquet de lingettes Huggies. Comme je vous ai dit j'en ai pris 4 en tout. Donc voilà. Donc voilà pour mon gros haul action, vous avez pu voir qu'on a fait des folies. Mais bon il y a beaucoup de choses dedans. On va offrir en fait pour Noël à mes soeurs et tout, à mon neveu. Donc voilà, j'espère que mon petit haul vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez la moindre question sur un des articles que j'ai présenté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.